En novembre 2020, un court-métrage d'animation sur le deuil parental devient viral. Le hashtag « Quoi qu'il arrive, je vous aime », le titre du film, atteint les 31 300 000 vues. Avec beaucoup de délicatesse, ce court-métrage raconte l'histoire de deux parents en deuil qui se retrouvent aspirés dans le vide abyssal causé par la perte de leur enfant, et tout ça sans une parole, comme si les mots ne suffisaient plus pour raconter cette douleur. Mélanie a vécu ce deuil. Et aujourd'hui, elle a trouvé les mots pour nous raconter son histoire et celle de son fils Maël, qui décède subitement d'une méningite à l'âge de 2 ans et demi. C'est un deuil impossible qui dure toute une vie, mais pour Mélanie, raconter, parler de son enfant est une façon de ne pas l'oublier. Je suis Pascale Pommier de Santi, journaliste spécialisée dans la santé, et vous écoutez Imprévisible, le podcast de Sanofi Pasteur. Pour ce 4e épisode, nous avons rencontré Mélanie, qui a perdu son fils Maël d'un méningocoque appelé W135. Son témoignage sera accompagné des mots du docteur Sylvie Rapp, la médecin généraliste de famille qui a suivi Maël durant les premières années de sa vie et a fait tout son possible pour apporter son aide à la famille dans cette épreuve. Je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans, je suis coiffeuse à domicile à mon compte depuis 7 ans et j'habite à Gruchet-le-Vallès. Maël est né le 30 août 2015 à 23h48. Maël a eu déjà des problèmes de santé quand il était petit. Il a eu une malformation cardiaque, donc du coup il s'est fait opérer du cœur à 4 mois et demi. Tout s'est très bien passé, il y avait des suivis un peu réguliers mais rien d'inquiétant et tout était rentré dans l'ordre. Maël était atteint de la trisomie 21 qui a été non détectée pendant la grossesse, qui a été détectée 4 jours après l'accouchement. Mais à part ça, non, il n'avait pas de problème autre que son cœur, il n'avait aucun autre problème particulier. C'est pas qu'on a oublié la trisomie, mais pour nous, c'était, voilà, il était là et en fait, c'était comme ça et on ne faisait pas cas de ça. Donc on a vraiment fait abstraction de ça et pour nous, c'était un petit garçon comme les autres. Maël, c'était un garçon très joyeux, très souriant. Il adorait, en fait, faire l'idiot, c'est le cas de le dire. Quand on partait de chez les gens, notamment plusieurs amis, il faisait un grand salut. Un grand salut et toujours, tout le monde lui disait « Maël, salut !» Alors, il était comme ça, avec sa grande main. Bon, il avait ses petits quarts d'heure hein, de caractère, parce que je crois qu'il avait un peu mon caractère. Il avait du caractère quand même. Mais c'était vraiment un petit garçon plein de vie et toujours souriant. Les fêtes étaient passées, on avait passé des très bonnes fêtes. Janvier, pareil. Tout était normal. Le vendredi matin, c'est moi qui l'ai réveillé, comme tous les matins. Je voyais bien qu'il n'était pas très, très en forme, mais rien de dramatique, il n'avait pas de température. Donc, je l'ai quand même emmené chez la nourrice le matin. Mon conjoint l'a récupéré début d'après-midi avec un petit peu de fièvre et vraiment un peu ronchon. Il avait vomi aussi également. Du coup, il a préféré appeler le médecin pour avoir, vu que c'était le week-end, après pour avoir un avis. Bon, elle n'avait pas de place. Donc du coup, elle lui a dit que c'était sûrement une petite gastro. Enfin, rien de dramatique, il n'y avait pas beaucoup de signes. Donc jusque-là, on ne s'est pas trop inquiété. Et par contre, le soir, là, ça s'est aggravé un petit peu. Le soir, il n'a pas trop voulu manger. Et vers 22h, il s'est trouvé réveillé en sursaut parce qu'il s'était en fait fait pipi dessus. Et il était propre. Donc c'était pas du tout dans son habitude. Donc je l'ai pris pour aller à l'étage, le laver, et en fait, dans la baignoire, il a convulsé. 2 secondes, c'était vraiment... Enfin, je l'ai vu partir à l'arrière et il est revenu aussitôt. Donc on a appelé les pompiers, et qui n'ont pas voulu se déplacer parce qu'ils étaient débordés et que pour eux, c'était pas nécessaire qu'ils se déplacent, il fallait qu'on aille aux urgences par nos propres moyens. Je trouvais ça quand même dangereux d'y aller sans savoir vraiment ce qu'il avait. Mais j'ai pas du tout pensé à la méningite parce qu'il avait pas du tout de signes particuliers. Il regardait, la lumière le gênait pas, il avait pas de raideur de nuque, il avait vraiment juste un petit peu de température et il avait 37,5, 38. Donc c'était pas encore
Mais à aucun moment, non, j'ai pensé à la méningite. Donc je prends la voiture, je vais jusqu'aux urgences, il y avait une demi-heure de route à peu près. Et arrivé aux urgences, du coup, on est pris en charge là-bas. Donc dans un premier temps, je me souviens que moi, je lui avais mis une petite couverture parce que j'avais peur qu'il ait froid. Et en fait, on m'a tout de suite dit, non, s'il a de la température un petit peu, retirez-lui. Donc je lui ai retiré, j'ai un peu expliqué pourquoi on venait. Ils ont dit d'attendre le médecin allait arriver. Donc du coup, on a attendu le médecin qui après nous a mis dans un box aux urgences pour voir Maël. Il fixait les lumières et en fait, il ne bougeait pas. Et plusieurs fois, en fait, j'ai dit au médecin, mais regardez son état, c'est pas normal pour qu'il fiche quelque chose comme ça. Il l'a jamais fait et je sais que c'est pas normal. J'ai dû insister pour qu'il lui fasse un examen parce que pour lui, c'était pas dramatique, c'était une gastro, c'était pas grave. Je me rappelle même plus qui a fait la prise de sang. Mais je me rappelle qu'après, on a attendu du coup à l'étage dans une chambre, dans une autre pièce. Et plus ça allait, plus Maël devenait agité. Là, il se débattait, c'est pareil. Même moi, j'étais dans un autre état d'esprit parce que je voyais Maël de plus en plus mal. Avant que le médecin rentre dans la chambre, j'ai vu en fait une petite tache sur le ventre de Maël. Enfin, comme un petit bouton rouge, mais qu'il n'avait pas à l'arrivée. C'est bête, mais je crois que j'avais pensé à la varicelle. Maël ne l'avait pas eu, donc du coup, pour moi, c'était ça. Et il m'a dit, non, vous inquiétez pas, on va regarder justement ce que c'est. Et donc ils ont pris Maël à ce moment-là avec eux dans une autre pièce un peu plus loin dans le service. Il était à peu près 2h du matin, il n'y avait personne dans le couloir, aucun bruit, je ne voyais pas où était Maël parce que je n'avais pas vu où il l'avait emmené. Donc on reste encore à attendre un peu et à un moment en fait j'en ai eu marre, j'ai été dans le couloir pour chercher quelqu'un, j'ai trouvé une dame, une infirmière qui m'a dit « vous inquiétez pas, je vais appeler le médecin, il va venir vous voir ». Donc on est retourné dans la chambre, le médecin est venu nous voir et à sa tête j'ai vu qu'il était inquiet. En fait je vois ce grand couloir et au loin en fait ils l'ont changé de pièce et au loin je l'ai vu en fait allongé sur un lit et branché de partout. En fait il avait un respirateur, il y avait plusieurs médecins autour de lui. Il m'a dit vous inquiétez pas, on va venir vous chercher, on le change de service. Parce qu'en fait, il a du mal à respirer. Le médecin repart, on l'a vu repartir, même courir d'ailleurs, je crois. L'infirmière nous prend en charge pour nous emmener dans la salle d'attente du coup de réanimation. Je me souviens qu'il y avait des vitres partout, mais que je ne voyais pas où était Maël. Je le voyais au loin, en fait. Je ne le voyais pas physiquement, mais je voyais les médecins autour. J'ai cette image-là des médecins autour de lui, mais sans pouvoir être à côté de lui. Je suis sortie prendre l'air parce que je ne pouvais plus attendre. On avait de nouvelles de personne. Il n'y avait aucun bruit, enfin, toujours ce silence. Et moi, je ne pouvais plus supporter. Donc en fait, je suis sortie, je me souviens avoir téléphoné à mon frère, qui est très proche de moi. Là, j'ai juste dit, écoute, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Et il m'a répondu, t'inquiète pas, les médecins, ils savent ce qu'ils font. Rappelle-moi dès que tu as plus de nouvelles et je viens, je ne suis pas loin, je viens. Donc je raccroche avec mon frère, je rentre, j'étais partie aux toilettes et en fait quand je ressors des toilettes, mon ex-conjoint arrivait vers moi en courant et me dire c'est fini. C'est sur le coup, je savais pas ce que ça voulait dire et il y a un médecin qui m'a dit que je suis désolée, bah, il est parti. À aucun moment j'ai entendu ce mot méningite. Pour moi, je l'ai su que le lendemain. Que le lendemain et encore 2 jours après, quand je sais même plus. Elle, avec ses problèmes de santé, notamment du cœur, elle avait eu le vaccin qui est obligatoire contre la méningite. Mais tous les symptômes, comme Maëlle a eu, je ne savais pas et je n'étais pas au courant. Donc même pour moi, quand on m'a dit que c'était la méningite, je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était une maladie qu'on pouvait soigner. Et il a fait une méningite à méningocoque W135, qui est très rare. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai cherché en fait tout ce que c'était sur la méningite. Parce que les médecins ne m'avaient pas informé de tout ce qu'il pouvait y avoir comme sorte de méningite et surtout les signes que Maëlle n'avait pas quand on est arrivé aux urgences. Donc ça, ils m'ont bien dit que même eux, au tout début, n'ont pas décelé
parce que on dit la méningite, c'est la raideur de nuque, la fièvre et les apparitions de petites taches, mais il n'y a pas que ça. Et d'en parler justement pour que les gens soient eux aussi informés des autres signes éventuels qu'il peut y avoir. Maëlle n'a développé aucun signe de la méningite apparent. Tout s'est fait à l'intérieur, donc vraiment au niveau cérébral, mais c'est le ressenti de maman de dire « il n'est pas comme d'habitude ». Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut vraiment faire attention quand notre enfant, il a quelque chose et qu'il n'est pas comme d'habitude. Je me souviens que le médecin m'a reparlé du petit bouton que moi-même j'avais vu. Alors, il m'a expliqué que ce n'était pas un petit bouton, en fait, c'était une tache rouge et que c'était du purpura fulminant. Qu'en fait, c'était un des symptômes graves de la méningite. Quand le purpura fulminant commençait à sortir, c'est que c'était très grave. Et c'est à ce moment-là, oui, qu'il m'a expliqué que c'est là où, en fait, ils ont compris que c'était une forme de méningite très grave. Et pour moi, en fait, ils auraient dû peut-être pas nous expliquer tout dans les détails, mais qu'on soit près de lui et qu'il nous dise juste que c'était... Alors, la méningite, ils auraient pu nous dire ça. Je pense qu'à ce moment-là, on n'aurait pas pensé au pire. J'ai pas, en fait, j'ai ce manque-là que j'aurais toujours. Parce que pour moi, je n'arriverais pas à le combler. En fait, j'étais pas là, j'ai pas vu mon fils. Côté maladie, maintenant, du fait que même je sois dans une association, que je comprenne un peu mieux les choses et que je parle avec d'autres parents, la maladie, je l'ai acceptée. Et je sais qu'ils auraient rien pu faire. Mais pour moi, en fait... Ils nous ont pas expliqué, c'est ça en fait moi qui me manque. Donc je remets pas en cause leur travail, mais c'est vrai que c'est vraiment l'accompagnement et le ressenti. Mais sur la maladie, à l'heure d'aujourd'hui maintenant, oui, je l'ai accepté. Alors c'est très compliqué, on se reconstruit jamais. Le deuil, on ne le fait jamais non plus. Maintenant, j'essaye de me dire que de toute façon, il est là quelque part, qu'il m'envoie des petits signes. Avant, j'y croyais pas, maintenant j'y crois. Et je pense que c'est comme ça que j'avance. Et j'ai de la famille aussi, des amis très proches en fait, qui m'en parlent. Alors des fois, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Mais des fois, ça me fait du bien de parler de Maëlle parce que j'ai des amis aussi qui l'ont connue. Et je me dis en fait, les gens ne l'oublient pas. Je m'appelle Sylvie Rapp. Je suis médecin généraliste. J'ai 63 ans. Quand on est médecin de famille, on fait un peu partie de la famille, quoi. Alors, j'ai commencé à suivre Maëlle dès l'âge de un mois ou deux, je crois. Maëlle était un petit garçon vraiment très, très souriant, très, bon, attachant, et qui imitait tout ce qu'on faisait, qui éclatait de rire. Moi, je l'appelais mon petit soleil. Ce samedi-là, j'ai été réveillée par un appel téléphonique. C'est la tante de Jérémy, du papa. Donc, Nathalie m'a téléphoné en pleurant et en me disant « ça y est, Maëlle est partie avec papy ». J'ai vraiment mis un temps, je ne comprenais pas. Et c'est là qu'elle m'a dit, enfin, elle sanglotait, méningite, hôpital, mort cette nuit. Et donc, ça m'a bouleversée, parce que apprendre le décès d'un enfant dans ces conditions-là, c'est... Bon, de toute façon, il n'y a pas de bonnes conditions pour apprendre le décès d'un petit patient. En tant qu'ancienne interne du Havre, j'ai gardé des contacts assez proches avec l'équipe de pédiatrie du Havre. Donc j'ai aussitôt appelé la pédiatrie et je suis tombée sur un jeune chef qui a été vraiment... très coopérant au téléphone, qui a tout dit. Je suis effrayée, je suis bouleversée. La maman le trouvait un petit peu pas comme d'habitude, mais il avait aucun symptôme. On a pensé qu'il pouvait peut-être une gastro ou une virose. On l'a gardé parce que les parents étaient vraiment inquiets, mais il y avait rien qui puisse justifier cette prise en charge. Quel que soit l'enfant, que ce soit un enfant trisomique ou pas trisomique, on aurait insisté pour un retour à domicile. Mais là, les parents ont été vraiment insistants, donc bon, il y avait de la place, on l'a gardé. Et puis il me dit, sur le coup de 2h du matin à peu près, sont apparues les premières pétéchies. Donc les pétéchies, c'est les petites
taches que laisse le sang qui s'enfuit de la paroi des vaisseaux. Et il me dit, là, on a compris que c'était un purpura. À partir du moment où vous avez des taches sur la peau, c'est bien que l'infection touche tout l'organisme. Et c'est pour ça que je pense que on fait pas assez le distinguo pour le grand public entre méningite pure et dure et le purpura fulminans dont est décédée Maëlle, qui est une infection invasive à méningocoque, donc qui a envahi tout son organisme. En fait, les gens s'attachent beaucoup à la fièvre. Bon, ce qui était important, c'est que les parents de Maëlle ont bien réagi en tenant compte de l'état général de leur enfant. Ça, c'est vraiment primordial. C'est ce que j'essaie toujours de dire à mes patients quand un enfant arrive dans le bureau en hurlant. Bah, écoutez, s'il crie, bah, tant pis, on va essayer de le soulager, de le calmer, il a peut-être mal. Un enfant génial ou un enfant qui n'a pas de fièvre, les gens peuvent parfois tarder à nous l'amener en consultation parce que les gens vont être plus affolés par une fièvre à 40 que par un enfant qui geint, qui est prostré, qui est fatigué. Donc en fait, les gens ne viennent pas alors que c'est là où il faudrait s'inquiéter. C'est important de faire le distinguo parce que dans le cas de Maëlle, même si ça ne l'a pas sauvé, au moins les parents n'ont pas à s'en vouloir parce qu'ils ont tenu compte du changement de comportement de leur enfant. J'ai eu la famille au téléphone tout le week-end. Et puis, dès le lundi, j'avais prévenu mes secrétaires de bloquer un long créneau horaire en fin de journée pour recevoir les parents. Pendant au moins 2 mois, Mélanie, elle est restée prostrée, mutique. Elle a le doudou de Maëlle dans les mains, qu'elle tripote nerveusement. Elle venait, elle parlait pas. Donc, c'est quand elle a commencé à parler un peu plus, quand elle est venue toute seule, qu'elle m'a parlé de son désarroi, je lui ai donné le compte-rendu d'hospitalisation que j'avais reçu de Maëlle. Je lui ai donné tous les documents que j'avais reçus de l'hôpital. Et puis, je lui ai expliqué que devant une telle catastrophe, en fait, je pense qu'ils étaient complètement débordés par la situation de Maëlle et il n'y avait personne à l'hôpital pour prendre en charge les parents. Leur activité était concentrée sur Maëlle pour sauver Maëlle. Donc, il n'y avait pas 5 minutes pour gérer les parents. Je lui dis qu'elle avait raison, que je comprenais ce sentiment d'être une maman exclue du monde hospitalier. Mélanie a repris goût à son travail. Son travail l'aide beaucoup. Elle adore ce qu'elle fait. Son truc à elle, c'est les mariages. C'est faire des belles coiffures, des beaux chignons pour les jeunes femmes qui se marient. La dernière fois que je l'ai vue, je l'ai sentie de nouveau faire des projets, être contente de voir que toutes les fêtes vont reprendre, qu'elle va avoir encore plus de travail, du travail qui lui plaît. L'histoire de Maëlle, c'est difficile. C'est difficile, j'adorais ce gamin, ça, je vois la famille tout le temps et tout me le rappelle, quoi. Après, j'essaie de me consoler en me disant que Mélanie pourra de nouveau être heureuse. Ça, c'est déjà pas mal. Vous venez d'écouter Imprévisible, un podcast de Sanofi Pasteur. Merci aux deux associations Petit Ange et Audrey pour leur travail de sensibilisation sur les méningites et leur participation à ce podcast. Les interviews de cet épisode et la prise de son ont été réalisées par Camille Maestracci. La réalisation, le montage et la composition musicale sont signés Marine Kéméré. Audrey Larguette est la chargée de production d'Imprévisible en collaboration avec Emmanuel Lyonnais-Paco de l'agence Babel. L'enregistrement et le mixage ont été réalisés par le studio La Fugitive. Imprévisible est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.